Une battle de niveau exceptionnellement élevé et équilibré se déroule entre Élise, la petite fée gothique, Arthur à la voix pure et Éline dotée d'une voix lyrique magnifique. Ensemble, ils vont interpréter Somewhere Over the Rainbow, un titre de Judy Garland issu du film Le Magicien d'Oz. Dans cet extrait, on peut voir les larmes couler sur les visages de la coach rivale de Kenji Girac, Patrick Fiori ainsi que de Stimel, émus par les performances de leurs jeunes talents. Profondément touché, Nolwenn Leroy se joint même à eux sur scène pour les féliciter et admettre qu'elle ne sait pas comment faire face à la question posée par Nikos Aliagas, comment choisir. Ce moment promet de toucher de nombreux téléspectateurs. Cependant, bien que nous ne sachions pas encore quel talent des trois continuera l'aventure, les chances d'Élise semblent minces. Cela est dû à une interview qu'elle a accordée à Télé Loisirs le 2 août dernier, où elle a révélé ne plus être en contact avec sa coach Nolwenn depuis la fin du tournage.